Oh, c'est mignon, t'es venu avec une licorne, toi. Oui. Mais c'est sublime, c'est... Et donc tu la gardes avec toi tout le temps, cette... Oui, c'est mon sac à main. Ah, ben... Chacun son sac à main. Déjà, j'ai un premier rang très près de moi. Ils ont eu le courage de se mettre en premier rang. Et forcément, la licorne. Et le collant troué. On peut en parler... L'huile noire non essentielle. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont été non essentiels comme... Alors, pour ma fierté, tu en prends la tête. Excuse-nous, Jérémy, nous avons un métier quand même. On n'est pas avec notre petit bonnet avec des grelots là, à faire des petites blagounettes. Hein. Nous sommes, voilà, on a un métier avec un CDI. Qu'est-ce que vous faites, vous-même? Prothésiste dentaire, très bien. Vous faites quoi, vous avez? Oh! On se serait pas rencontré sur une petite carie, par exemple? Sur un plombage? Prothésiste dentaire, c'est quoi là, la différence? Vous remplacez les dents? Ah, les dentiers? Ah, là, oui, il y a un grand marché. Ah, ben je comprends pourquoi vous êtes installé à Rouen. Très bonne zone de salopis ici. Vous êtes des rêves pour vos enfants, comme ils sont là? Non. Prothésiste dentaire, mon ami. Surtout pas. Ah ouais. C'est pourquoi c'est. Ah, vous mieux dentiste, c'est quand même bien. Ah oui. 20 fois plus. Ah oui, le prothésiste dentaire, c'est le pauvre du médecin. Quoi, en fait. C'est le parent. Ah d'accord. Vous êtes l'humanité avant la discussion. Ok. Ah, je savais pas ça. D'où les collants troués. Ça y est. Vous savez déjà un peu ce que vous voulez faire, vous, dans la vie? Moi, j'ai pas identifié déjà. Bien sûr, on va bosser ensemble. Les hommages. Tu veux faire quoi dans le cinéma? Scénariste, actrice, réalisatrice. Le moulin de la meuf. Et je vais monter mon film et y faire la musique. Je suis Nicolas Bedos au féminin. Voilà. Très bien, bah, je te souhaite de réussir. Tu n'auras pas compte juste pour enlever cette licorne. Si tu veux être crédible dans le monde du cinéma qui est assez virulent. Toi par exemple, ce serait quoi ton rêve dans la vie? Bah, moi je le fais déjà. C'est vrai? Apprenti audioprothésiste. Au niveau de la dentition, au niveau de la prothèse. Hein. Ça sent quand même une ville pas toute jeune, toute jeune. Quand on vient s'implanter pour être audioprothésiste ou prothésiste dentaire, c'est que... Oh, on a regardé le recueil des naissances, où ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici à Rouen. D'où te vient l'idée de te dire, mais si j'installais des prothèses auditives aux gens? Comment ça t'est venu? J'ai fait un stage en troisième. Le stage en troisième, putain, c'est... Comme quoi, ça ouvre des vocations, ce stage en troisième. Et toi, tu l'as fait dans une boutique de peluches. Et j'ai un petit garçon de 2 ans. Roméo, exactement. Ah oh bah, vous connaissez toute ma vie déjà. Oui, bah je vous suis, moi je... Ah oui, c'est vrai. Tu étais là il y a 2 ans? Oui. Oh, t'étais... Oh là là, c'est super. Ah ouais, c'est vrai, il était là, il avait... C'est bientôt son anniversaire. Alors, on va éviter, je vais donc lancer une petite guerre réfléchie. Je la mettrai sur Facebook, voilà. Je vous emmerde, 50, 100 balles et les prothésistes, mettez 20 si c'est pas grave, voilà. Exactement, tout à fait. C'est vrai que j'étais venu jouer à Rouen, il était vraiment petit, Rouen, c'était... Oh là là, c'était... Il devait avoir 2, 5 mois peut-être, 5 mois. Moi, il y avait quelques semaines, c'était début novembre. Le mec, il est venu pas mieux pour moi. Ah non, non, non. Ta femme était où, t'avais un gilet. Je dois flipper, moi, là. À quel moment je m'inquiète? Non, mais sinon, très belle la déco. Par contre, à 2 ans, faut que ton fils il arrête de dormir avec toi. La sécurité, on fait quelque chose, là. Eh ben, Isaac, je crois qu'il avait 3 ans. 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans.